Le Covid, quand il est arrivé, c'était en fait un choc supplémentaire parce qu'on a appris comme ça du jour au lendemain, alors qu'on a décidé de continuer à travailler à bas bruit, on a appris que l'ARS a décidé qu'il faut fermer toutes les structures, sauf certaines structures ambulatoires, et encore de façon très limitée. Notre hôpital de jour pour enfants est obligé de fermer, les CATTP se sont arrêtés, etc. Tout ça au début pour des raisons qu'on partageait un peu, parce qu'on ne savait pas ce que cette pandémie ou cette épidémie à l'époque va apporter, mais très vite on s'est rendu compte qu'on a des moyens de continuer et surtout que les enfants qu'on lâche en fermant les structures, ils sont à la maison, ils souffrent, ils régressent et les parents sont débordés. Enfin, il n'était pas possible de continuer comme ça. Donc on a mis en place certaines réactions qui étaient, je ne sais pas si la direction ou notre chefferie de service, ils vont entendre ce que je dis, de leur dire qu'on a continué à travailler dans les CMP qui étaient fermés, mais on continuait à travailler sans le dire. Donc on était au début en cité à faire de la téléconsultation, ce qui est devenu, avec les patients qui étaient les miens, un désastre pour certains. D'autres n'avaient pas du tout la motivation de le faire. Donc on a recommencé à faire venir les gens au CMP, même si c'était interdit à l'époque. Et donc voilà, ça nous a amené à construire un peu une alternative, on peut dire, à ce qui était les décisions officielles de l'ARS. Et petit à petit, on a vu qu'on a pu ouvrir, et même les structures officielles, la direction, etc., ont autorisé de réouverture des structures à la fin de la première vague. Et depuis, ça n'a pas fermé. Moi, je l'ai vécu aussi de mon côté, parce qu'on avait ouvert une petite salle Covid pour faire des examens, parce que comme on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de masque, vous connaissez l'histoire, pas de masque, pas de test, c'était vraiment très compliqué, donc on avait réussi à se mutualiser. Les communes nous avaient donné des équipements de fortune, on avait les masques et les blouses des cantinières des cantines. En fait. Et on avait fait une petite salle pour examiner les gens, parce que le message à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de mars 2020, c'était « n'allez plus chez votre médecin ». Donc du coup, on avait ouvert cette petite salle et on s'est retrouvé en conflit un petit peu avec l'ARS, qui est arrivé trois semaines après avec un papier de 17 pages, avec des normes, le truc administratif un peu habituel, des normes qui n'étaient pas vraiment adaptées à ce qu'on vivait sur le terrain. Nous, même il y avait des collègues qui travaillaient avec des sacs poubelles quand même. Et on venait nous demander des équipements. Ils nous demandaient quelque chose de normal, sauf qu'en situation dégradée, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas donner. Donc l'administration était perdue, faut dire clairement les choses. Donc ils se sont mis un peu en retrait et ils ont laissé faire les soignants qui sont dans la plupart des cas auto-organisés, les services et l'administration suivait. Ce qui était très étonnant, c'est que d'habitude, quand on connaît un peu les conflits à l'hôpital, il y a toujours un conflit avec l'administration pour les financements, ouvrir des lits. Et là, tout semblait on a besoin d'ouvrir tant de lits pour le Covid, ok. Je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques très proches, où nous, finalement, on s'était auto-organisé. À l'hôpital, c'était un peu pareil, c'était aussi tous un peu auto-organisés. Et donc, on a écrit cette tribune pour essayer de faire prendre conscience aux acteurs de terrain qu'en fait, il y avait un truc qui s'était passé, là, que tout d'un coup, l'administration avait lâché et que c'était vers ça qu'il fallait tendre, politiquement, quoi, qu'il fallait appeler à changer de gouvernance à l'hôpital, que dès qu'on laissait les soignants faire, ça se passait quand même beaucoup mieux. Et puis il ne faut pas être dupe, c'est aussi parce que la contrainte budgétaire avait été levée. Alors la Covid-19, elle a eu, ça a été très tragique pour nous au niveau de l'hôpital, parce que on a perdu énormément de patients. Par contre, il y a quelque chose qui a été très chouette, c'est-à-dire que les administratifs, en tout cas la gouvernance qu'on a actuellement, qui est gérée par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à côté d'un patient, donc qui ne connaissent rien aux soins, ne serait-ce que juste l'utopicité du nom. Là, le fait que ce soit des soignants qui se débrouillent, qui organisent leur temps de travail, qui organisent leurs services, qui mettent justement les bons moyens pour le patient, ça a prouvé que l'hôpital pouvait très bien fonctionner avec une gouvernance de soignants. Alors qu'aujourd'hui, nous avons exclusivement des gens qui ont bac plus 5, plus 6, mais qui ne gèrent pas de l'humain. Ils gèrent un chiffre comme ils géraient une société Charal. Ils remontent du terrain que si, contre le moment fort de l'épidémie du Covid,
on a pu sauver des gens, c'est parce que les soignants ont, passez-moi l'expression, envoyé balader la bureaucratie en leur disant « Allez, maintenant, allez jouer, hein, et vous nous laissez travailler. » Et la bureaucratie était tellement démunie qu'elle a dit « Oui, oui, allez-y, allez-y. » Moi, j'ai des copains à l'hôpital qui disent « C'était invraisemblable. » On leur disait « On ne veut plus vous voir, hein, mais par contre, il nous faut 3 respirateurs, 5 bouteilles d'oxygène et vous nous libérez telle salle parce qu'on va installer des lits. » Et il disait « Quand ?» Il disait « Demain matin. » Il dit « On arrivait le lendemain matin, on l'avait. » Alors qu'avant, on demandait ça, 6 mois plus tard, on n'avait aucune nouvelle. Bon, c'est comme ça qu'on a soigné contre le Covid. Bon, donc il faut rétablir ce pouvoir des soignants. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne que la santé n'est pas une affaire technique, c'est pas une affaire de toujours plus de machines, toujours plus d'équipements. Enfin, c'est principalement une affaire de prise en main de leur santé par les individus et par les collectivités elles-mêmes. C'est ce que nous enseignent des décennies d'expérience en matière de ce qu'on appelle la santé communautaire. Les enjeux de la santé, ils exigent de la coopération. Et mon expérience que j'ai eue aux hôpitaux de Saint-Denis, elle a été toute dans la coopération. J'ai vécu l'époque du sida, l'époque de la réduction des risques en matière de toxicomanie, et j'ai vécu la paupérisation de ces habitants de la Seine-Saint-Denis. Et donc, la réponse qu'on a pu apporter, ça a été de se mettre ensemble, de se rencontrer avec les médecins de ville, de se rencontrer avec les institutions de la ville, avec les centres de santé, entre les services hospitaliers, les urgences, pour répondre à ces besoins, pour savoir comment, dans nos projets, nous, hospitaliers, on pouvait intégrer leurs besoins, comment on pouvait faire remonter au niveau régional et pouvoir obtenir des moyens pour inventer une autre manière de soigner. Répondre à leurs attentes pour savoir les exprimer, puisqu'on dit aujourd'hui beaucoup, ce sont des invisibles. Il faut qu'ils prennent la parole. Il faut qu'ils prennent la parole et ça se fait sur le terrain. Ça peut se faire dans des luttes, ça peut se faire aussi autour de centres de santé. C'est ce qu'on appelle la médecine communautaire, ce qu'on appelle le aller vers, qu'on n'a pas le soin d'un côté, le social de l'autre, l'alimentation d'un autre encore, ou le logement, ou la pollution. Non, tout ça, c'est des composants de notre santé. Voilà, construire collectivement et démocratiquement les ressources qui leur permettent d'accéder à leurs droits, parce qu'en France, on a un système de santé qui, en principe, est égalitaire. En pratique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, on travaille beaucoup sur la question de sortir l'hôpital de ses murs, travailler sur la cité. Mais le service public de santé, c'est uniquement l'hôpital. Or, on comprend bien que la question de la santé, du soin, n'est pas uniquement centrée sur l'hôpital. Et en fait, la question du soin, c'est complètement politique, en fait. Il faut que l'hôpital s'ouvre. Hein, un hôpital fait pour aller vers, c'est-à-dire un hôpital qui est présent dans les quartiers, dans les cités, à travers des équipes mobiles, à travers des points de contact, etc. Il faut casser l'hôpital forteresse comme on l'a fabriqué, et l'hôpital flux, parce que l'hôpital forteresse et l'hôpital flux, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on a fait en créant le collectif Nord-Covid, puisqu'on a réussi à monter, vous parliez d'exemples concrets, avec l'hôpital Nord, une unité Covid en l'espace de 10 jours. Tout simplement, on s'est réunis avec un collectif d'associations, un collectif de citoyens, des personnes engagées, des non engagées, tout un tas de personnes. Et on a confectionné des masques en direction des hôpitaux, mais pas que. Et on a mis un dispositif en plein cœur de cité, des structures qui allaient permettre au dépistage. Je rappelle, en mars, on n'avait pas des Covidions. Et donc, il y a eu des initiatives extraordinaires qui avait pour objectif d'alléger la pression sur les hôpitaux, d'alléger la pression sur les urgences et sur les unités Covid. L'idée pour nous, c'était de permettre à la population une orientation pour l'aide médicale, pour l'aide alimentaire. Donc nous, on a trouvé ça normal d'accompagner, en plus du dépistage, les gens vers une orientation à l'aide alimentaire, parce qu'au mois de mars, tout le monde était dans la sidération. Et puis nous, professionnels de santé, on s'est dit comment on peut agir, comment on peut faire. Il faut qu'on pense la santé de manière plus globale comme élément émancipateur et élément d'égalité. C'est vraiment un élément fondamental d'une démocratie saine. Si on a une inégalité en matière d'accès aux soins, il y a un problème au niveau de notre système et un problème au niveau de notre démocratie.
la stratégie nationale de santé du ministère de la Santé a mis au premier plan la question des inégalités sociales de santé. Mais sans comprendre que pour traiter la question de l'inégalité sociale de santé, ce n'est pas simplement une question technique de plateau, d'accès aux soins, et de péréquation des moyens entre les territoires. Ça, c'est important, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut aussi qu'à la base, il y ait des structures d'organisation, d'auto-organisation collective qui permettent aux personnes d'exprimer leurs besoins en matière de santé et de les porter vers la scène, on va dire, médicale ou paramédicale. Les communs, c'est l'accès, y compris pour les plus défavorisés, sur tous les biens essentiels. C'est des formes de gouvernance qui garantissent de la démocratie et de l'expression non seulement des citoyens, mais des principaux intéressés et des plus faibles parmi les intéressés, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, défendre leur bout de gras. L'accès et la démocratie, c'est la même chose. Si les plus démunis, les plus défavorisés ne sont pas dans la gouvernance, ils vont être éjectés de l'accès. Hein ? Bon, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose des communs, c'est le caractère hors commerce. Hein ? À partir du moment où on a un bien commun, l'eau, en Italie, la santé, il est hors commerce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des transactions marchandes quelque part pour assumer les coûts, mais ça veut dire que tout le dispositif, il est fait pour que l'accès soit assuré. Et pour que l'accès soit assuré, il faut que le bien, dans son ensemble, il soit hors commerce. Même si les coûts doivent être couverts, pour partie par l'impôt, pour partie par des prélèvements sociaux, pour partie par le prix des transactions. C'est pas pareil, la gratuité est hors commerce. Mais c'est pas pareil de dire... à l'hôpital, vous donnez votre carte bleue avant de rentrer, sinon on ne vous soigne pas, c'est les États-Unis, ou vous donnez votre carte vitale. Et avec ça, on vit ça. Donc l'hôpital, il est hors commerce, pour le moment, en France. Et du coup, c'est pour ça que nous, on veut repartir de la question des collectifs de soins. Comment on refait collectif de soins pour ensuite réfléchir à une autre gouvernance qui corresponde en fait à ces collectifs de soins et pas l'inverse en fait. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on peut faire un rapport là, à la question des logiciels à l'hôpital. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une intervention du collectif Interop qui essaie de promouvoir les logiciels libres, qui se mobilise contre la privatisation des données en santé. Et on sait très bien à quel point toutes les données médicales sont en train de partir, en particulier aux États-Unis avec les contrats que la France a signés avec Microsoft. Et qui, en même temps, pointait le fait que les logiciels qui sont la plupart du temps utilisés dans les hôpitaux, parce qu'il y a énormément de logiciels utilisés, sont des logiciels propriétaires qui valent très très cher et qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas du tout adaptés au travail du soin. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'hôpital, donc j'ai ce recul de 10 ans. Je pense que les difficultés qu'on rencontre, c'est le fait d'être dépendant de gros éditeurs qui vendent très cher des solutions informatiques à l'hôpital, des solutions dont on n'est pas la propriété, des solutions qu'on ne peut pas améliorer et des solutions qu'on ne peut pas partager. Une fois qu'on a signé un contrat avec un éditeur, on est pieds et poings liés avec l'éditeur et c'est très compliqué de se désengager si on se rend compte que la solution qui a été achetée ne correspond pas à nos besoins. Pour nous, en informatique, le commun, ça va être le logiciel et le code qu'on va partager. C'est un commun parce qu'en fait, ça peut être une personne qui le crée, mais une autre personne qui l'améliore. Donc voilà, pour nous, le commun, c'est ça. C'est le logiciel et surtout le logiciel libre et son code qui est open source. C'est aussi important parce que nous, dans l'hôpital, on est proche des utilisateurs, qu'on connaît leurs besoins, qu'on connaît leur façon de travailler et que c'est plus facile pour nous d'améliorer le logiciel et le code que des entreprises privées qui sont très loin de l'hôpital et qui ne partagent pas les mêmes intérêts. C'est ça un commun. C'est ça un commun. Et ce n'est pas quand on dit public, l'idée étant, puisque moi je travaille pas mal là-dessus, c'est que quand on dit public, on ne dit pas forcément sous la coupe de l'État, en fait. C'est ça qui est intéressant. Qui peut être aussi organisé via des centres de santé communautaires ou même via des centres de santé publics, mais en lien avec des associations. Donc c'est ça aussi, inventer un nouveau service public de santé. On se rend compte que le fonctionnement de la Sécu, il est plus proche, en fait, d'un bien commun. C'est-à-dire que c'était des caisses autonome de l'État, avec des représentants. Il y avait au départ, il y avait même les salariés qui étaient majoritaires, jusqu'à ce que De Gaulle fasse en sorte que ce soit paritaire et que du coup, au final, les salariés aient moins de pouvoir. Mais là, on était plus proche de quelque chose de ce que sont les biens communs. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'était de,
de voir qu'en fait, on a déjà un objet là, qui existe, la sécurité sociale, qui fonctionne en fait, enfin qui pourrait encore mieux fonctionner. Et là, petit à petit, on voit bien que l'État a pris la main sur la Sécu, que c'est corseté par le budget qui est voté au Parlement, etc. Mais je pense qu'il faut être sur les deux côtés. C'est-à-dire qu'il faudrait revoir la tarification à l'activité des soins de premier recours et avoir une autre option que les grandes firmes pharmaceutiques quand on prescrit un médicament, parce que sinon, on est coincé, en fait. L'entité publique qui pourrait produire un médicament, nous, avec un de mes collègues hospitalier, on a nommé ça le pôle socialisé du médicament, dans l'idée justement de ce que j'expliquais tout à l'heure sur le droit administratif, de ne pas repartir sur une entité publique technocratique qui serait en fait dans la main d'un État qui pourrait le revendre à la première occasion venue, mais basée sur la théorie des communs, avec justement une volonté de pérenniser la ressource et d'une gouvernance en fait différente de ce pôle socialisé où on pourrait avoir des représentants de l'État, parce que l'État peut tout à fait être présent, mais il ne faudrait pas qu'il soit majoritaire et seul décisionnaire. Il faudrait que les professionnels puissent avoir aussi voix au chapitre, les citoyens, en tant que, enfin les soignés, quelque part. Et donc c'est en ça qu'on se démarque un petit peu de ce qu'on entend sur le pôle public du médicament, parce que le financement est important. Nous, dans ce qu'on propose, ce serait de partir des caisses de sécu, en fait. On s'inspire beaucoup des thèses de Bernard Friot et du réseau Salariat, d'étendre en fait ce qui est déjà là et de partir aussi dans une perspective optimiste, parce que ce que je disais en début, effectivement, est un peu déprimant, et on est en permanence en train de se battre en fait pour limiter le recul. Et donc c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant, mais justement là on fait une proposition qui élargirait en fait le champ de la sécu et on inclurait une entité industrielle dedans, ce qui serait assez révolutionnaire hein, si on avait un pôle socialisé du médicament qui fonctionnerait sur les mêmes règles que la sécu, enfin de la sécu originelle, ce serait vraiment quelque chose de très puissant politiquement.